Bonjour à tous, j'ai décidé de faire un petit tuto pour le redressement des perspectives dans Lightroom. Pour ce faire, j'utilise cette image qui vient d'un groupe Facebook. Je mettrai le nom de la personne dans les commentaires. Voilà, donc je commence à cocher ces deux cases-là. Et là, donc, c'est une correction pour Nikon. Je peux éventuellement toucher la distorsion, mais ça ne donne pas grand-chose. Donc, je vais utiliser l'outil Upright qui permet de redresser les perspectives. Car là, si je coche ceci et que je vais en bas par exemple et que j'essaie de tourner mon image, ça ne tourne que l'image dans sa totalité et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc dans cette option Upright qui est ici, j'ai plusieurs boutons. Donc j'ai automatique. Voilà. Donc si je fais automatique, eh ben, ça redresse tout, plus ou moins. Je peux faire niveau. Là, c'est pas terrible. Je peux faire vertical. Là, ça ne corrige que la verticalité et pas l'horizontalité. Je peux faire complet, où là, ça redresse plus ou moins tout. Voilà, donc là, je vais vous montrer aussi avec repère. Donc cette fonction nous autorise quatre repères qu'on met à la souris. Donc je vais par exemple mettre un repère sur le toit. Ici. Je vais mettre un autre repère ici. Et je vais en mettre un autre ici et pourquoi pas un quatrième ici. Voilà, donc là j'ai posé mes quatre repères. Je peux faire terminer si j'y arrive. Hop, et voilà, ma photo est redevenue droite. Évidemment, pour cela, j'ai pas mal rogné sur les côtés, mais la personne qui avait fait cette photo ne pouvait pas avoir de recul suffisant pour inclure les côtés. Mais là, je pense que c'est déjà une bonne chose. Voilà pour ce petit tuto très court. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.